Et bonjour tout le monde, salut Rafa, salut Mouchou, salut Papa Noël, comment va tout le monde? Ah bah c'est un peu la musique, même si j'adore celle-là. Les gars, on est vendredi, c'est bientôt le week-end dans tes oreilles. Le mec qui se prend pour le DJ, tu sais, le vieux DJ de Fun Radio, tu sais. Bon, allez, sans plus attendre, on démarre, on part en vol direct. Allô, oui, c'est la migraine, bonjour, encore ? Rafa, prends un truc. Ça fait depuis ce matin que tu as la migraine, si t'as rien pris, attention. Hein. Alors, on est parti, on est prêt à voler. Nous sommes sur une destination que vous allez très vite, je suppose, reconnaître. Nous sommes en Normandie, je sais pas quoi prendre, bah un Doliprane tout bêtement, si c'est juste mal de crâne, ça devrait... Mais tu l'as pas pris dès le début, t'as laissé empirer comme d'habitude. Alors on coupe le pilote de l'automatique et on va aller voir... Mais dis donc, je rêve ou mon avion est encore en train de se couper là? Quel est le fuck? Ou c'est juste que les gaz sont pas activés là? Ah si, voilà, parce que les gaz sont pas... Non mais, j'ai eu peur, je qu'il allait encore me couper les gaz, cet abruti. Donc nous sommes sur le pont de Normandie. Ce magnifique grand pont à haubans, comme on dit. Si je dis pas de bêtises. Et il a quand même de la gueule ce pont. Il est vraiment immense, hein. C'est un truc de fou. Et si je dis pas de conneries, on avait fait ça il y a quelques années... Vous pouvez partir du port qui est là-bas, prendre un bateau, et il y a une visite. Il y a une visite en fait du pont. Enfin une visite. Vous partez en bateau, vous allez vous foutre juste en dessous du pont, et c'est assez classe. Et franchement, vous vous rendez compte à quel point il est immense et à quel point il est beau architecturellement parlant. C'est assez de la classe quand même. Hein. Ça volouille. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de vent quand même, ça gigote un peu là. Il a de la gueule ce pont, hein. On va pas se leurrer, c'est quand même dans la belle beauté. On va peut-être se faire une petite photo un peu sympa là, vous allez voir. On va se mettre sur le côté comme ça là. On va mettre un peu de gaz. On va se réaligner comme ça ici, là, tac, ne pas se le prendre. Et hop là. On va se mettre en mode vidéo. En mode vitrine. Tac, tac, tac. On ne peut pas passer dessus. Ah bon? Ah merde alors. C'est moche ça. Attends, on va partir un peu sur le côté, on va prendre un peu d'altitude. Où est-ce qu'on peut se caler pour avoir une vue vraiment cool? Dessous? Ah oui, mais du coup, ouais, bah dessous, mais c'est, pas, ouais, bah c'est pareil, c'est comme tous les ponts, quoi, en fait. Quasi, ils sont designés monobloc, et du coup, t'es foutu pour l'avoir, quoi. On va se mettre comme ça, là. Et j'ai envie de tester un truc. J'aimerais savoir si les rayons du soleil qui se foutent derrière... Est-ce que y a une petite diffraction ou un truc du genre? Ça serait trop cool en vrai. Ah, le soleil va pas se mettre derrière, évidemment. Le soleil il se mettra jamais derrière. Oh. Par contre, on a une très jolie couleur là. Oh, je prends. Bonjour. C'est le fan de lever de soleil et de coucher de soleil. Comment ça se passe chez vous? Prends-en la photo si tu t'accroches dans les fils aussi. Ah bah c'est clair que si tu t'accroches dans les fils, ça va déjà beaucoup moins bien se passer. Ça, c'est clair et net, quoi. Et donc, du coup, je disais, est-ce qu'il y a... Oh, vous avez vu ça? Attendez. Oh, quand il est illuminé comme ça, la classe. Ah ouais. Oh, avec le coucher de soleil comme ça, là. Oh, oui. Ave, Franck. Crachiturite et salutante. Non pas ceux qui vont cracher, mais ceux qui vont se cracher. Je n'ai aucune notion de... Comment ça s'appelle? Je n'ai absolument aucune notion de latin. Donc je sais pas s'il y a du... Comment ça s'appelle? De la notion de transitivité. Une torche LED. Il y a un peu de ça. On va peut-être se mettre de l'autre côté en fait. Je suis en train d'avancer comme un blaireau, mais en fait il vaut mieux se mettre de l'autre côté si on veut la... Alors attendez, hop, on va revenir au point de départ. Voilà, comme ça on perdra un petit peu moins de temps. Et je pense qu'en se mettant dans cette direction là, on va traverser le pont comme ça là. Tan tan nan nan nan. Tan tan tan.
Ta-da-da. Ah, on a un Papa Noël qui vient de faire un petit vouan, qui vient de se bouffer les... T'es allé te bouffer les cordes ou comment ça se passe, là? Là, je sens qu'on va avoir... Tu peux traverser les câbles. Ah, d'accord. Tu peux pas passer en dessous, mais tu peux traverser les câbles. Logique quand tu nous tiens. Ah, ça, on va avoir de la gueule, là. Là, on va avoir une jolie gueule. On va se mettre juste au bord, là, quand le soleil... Voilà. Tac. Ah, on va se remettre par là. Une petite vue fort sympathique, s'il en est, n'est-ce point ? Allez, photo. Hop là. Voilà. Ça, moi, je trouve que ça a de la gueule. Pour la science, c'est exactement ça. Bon, alors, du coup, si on peut traverser les câbles, on va aller tester ça tout de suite. Hein. Tintin. Dis donc, est-ce qu'on ferait pas la même chose qu'hier, là ? Genre, flap sorti, la merdasse de... Comment ça s'appelle ? De perte de vitesse. Un virage bien serré. Et attention, les yeux! Easy. Ça passe easy. on est où, là? Désolé, j'ai raté les premières minutes. Je tuais des gens qui ont encombré la route. Je crois qu'il y en a un qui est en train de hard-trainer complètement le Road Redemption, là. On est sur le pont de Normandie, loulou. Contrairement au Golden Bridge, tu peux traverser les arches. Ah, bah dis donc. Ils ont quelques soucis, quand même, de cohérence parfois sur ce jeu, mais c'est pas grave. Oh là, c'est beau là, comme ça, regardez-moi ça. Comment ça a de la gueule là? Vous avez vu ces couleurs? Oh, je crois que je vais reprendre une photo là, elle est trop belle. Mode vitrine, tac. On se recale à gauche de l'avion là. Pourquoi j'arrive pas à... Bah voilà, quand même, il voulait pas y aller le monsieur. Merde, du coup, c'était pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Ah, mais non, c'était pas cet angle là que je voulais, monsieur. On a avancé trop vite. Demi-tour, toute. C'est joli, en fait, la Normandie. Bah ouais, hein, la Normandie, ça, c'est loin d'être dégueulasse, hein, soyons francs. Hein. Moi, j'aime bien la Normandie. On est allé plusieurs fois. Moi, j'adore. En fait, ce que j'adore le plus en Normandie, quelque part, c'est l'architecture des comment ça s'appelle, des maisons, là. À chaque fois, j'oublie comment ça s'appelle, ces maisons-là. Comment s'appellent ces choses? Je ne sais plus. Hop, on va se remettre sur C comme ça, là, tac. Alors, on va se mettre comme ça, là. Et dès qu'on sera middle pont, là, on sera pas mal, on aura une jolie vue. Hop, tac. Alors, on va avoir une super vue, là, comme ça. Avec Papa Noël qui fait le con derrière. Un peu en mode crash, là, quand même. Hop. Voilà, là, on a une jolie vue. Bim! Elles sont où les vaches rousses blanches et noires? Elles sont où les vaches Milka? On va voir les vaches? Putain, mais j'ai encore mon moteur qui s'éteint. Mais c'est pas vrai, mais c'est quoi cette horreur là? Allume-moi ce putain de moteur quoi! Pourquoi il change. Voilà, il m'a coupé le moteur encore. Mais c'est insane, attendez, là, il faut qu'on arrête les conneries là. Faut arrêter les conneries, monsieur, maintenant. Là, il faut aller voir les commandes. Et il faut comprendre pourquoi ce moteur est en train de s'éteindre. T'as eu le hotfix à télécharger? Ouais, j'ai téléchargé un machin qui se... C'est pas gentil pour les Normandes. J'ai eu effectivement un hotfix de quoi 120 MO, un truc comme ça. Alors attendez, moteur, là. Celui-là, ça me rend fou, là. Sélection moteur, c'est E. Réduc, volet, capot, moteur, on s'en fout. Démarrage automatique du moteur, c'est bien CTRL-E. Arrêt du moteur. Maj CTRL-E. Jamais j'appuie sur Maj CTRL-E, même avec des raccourcis. C'est ça qui est un truc de fou, quoi. Comment il m'éteint mon moteur, cet abruti, là? Comment c'est possible? Attendez, on va regarder un truc. Qu'est-ce qui pourrait... Arrêt auto du moteur. Où est-ce qu'il pourrait potentiellement être, ce truc-là? Sur la souris? On est d'accord, il n'y a que dalle sur la souris. Sur la manette, arrêt automoteur, il n'y a rien. Et sur le joystick, arrêt automoteur, rien non plus. Alors pourquoi ce jeu veut absolument m'éteindre mon moteur? Je comprends pas. Et ça a recommencé. Il a fait comme au début du... Il est en train de me faire exactement comme au début du... Comment ça s'appelle? Quand le jeu s'est lancé au tout début... Sur les premiers lives que j'ai fait, j'ai eu énormément de problèmes comme ça. À chaque fois que je faisais pause ou un truc du genre, le moteur s'éteignait. Mais genre, à chaque fois que je faisais pause, quoi. Genre, tu fais échappe, tu reviens, voilà, bam, t'as plus de moteur.
Et bah nique-toi. Je voilà, nique-toi, de toute façon j'ai même pas les crashs. Hop, c'est pas grave. Menu principal. Donc voilà, je ne comprends pas si quelqu'un peut m'expliquer cette histoire, si quelqu'un a déjà rencontré ça quelque part sur Flight Sim. Genre tu fais échappe, tu refais échappe, le truc il t'a coupé le moteur. Genre t'as fait pause, tu reviens, tu fais « Ah j'ai plus de moteur !» Le truc n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bon, où est-ce qu'on va maintenant les copains? Où est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous avez comme idée là? Parce que du coup il y avait le pont de Normandie. Il y a un phare là-bas qui a l'air sympa, Etretat on a fait... ça c'est quoi? Les roches Douvres Light. Je sais pas ce que c'est ça, ça a l'air sympa. Il y a un château près des... Là il y a un château. Ça c'est quoi? Il y a encore du lighthouse, des îles vierges. Salut Choumi, comment vas-tu? Bienvenue sur le live, bienvenue sur la pause déj. Tous les jours, du lundi au vendredi, de midi à 13h, nous visitons les endroits les plus improbables, les plus sympathiques de Flight Simulator. N'hésite pas, si tu as une destination, à la soumettre in the chat. Et nous irons y faire un tour. Stade de la Beaujoire, ouais, les stades, on s'en fout, hein. Saint-Nazaire, on s'en fout, ouais, au Saint-Nazaire. Abbey Church of Saint-Savin, ça peut être sympa, ça. Qu'est-ce qu'on a? Bon, du coup, si vous avez pas de suggestions in the chat, on va aller voir, du coup, ce phare de Gatteville. Ça, on l'a déjà fait. Ou ça, là, les roches Douvres Light. On va aller voir ça. Je connais pas, on va checker. On va aller voir. La Lorraine chez moi, mais ouais, avec grand plaisir. Il y a quoi en Lorraine? Envoie-nous. Tu vois ce que tu fais? Ce que tu fais, le plus simple. Tu vas sur Google Maps comme ça. Nous, c'est comme ça qu'on fait. Tu tapes par exemple la Lorraine. Hop. Tu vas en Lorraine et si jamais il y a des trucs qui t'intéressent, voire même sur la map ici, vous avez une super map qui met à jour tous les points de POI. Je vais vous mettre ça in the chat. Tac. Vous avez tous les POI qui sont modélisés. Et donc, faut pas hésiter à venir voir un peu ce qu'il y a, vous savez, ce qu'il y a en Lorraine ou des machins comme ça. Merde, je suis en train de me gourer de trucs. Tu vois, il y a le parc national. Donc, tu fais un clic droit ici, tu chopes les coordonnées et tu me les envoies tranquillement in the chat. Ou si, effectivement, t'es sur mobile, tu nous donnes la ville la plus proche ou un machin comme ça. Et nous, on ira chercher ça. Verdun pour la Lorraine. Ah putain, ça serait cool, ouais, Verdun, ce serait cool. T'as vu de la lumière ? Et du coup, merci Choumi pour le follow, ça fait très plaisir. Merci à toi, comme ça tu vas pouvoir nous retrouver régulièrement sur les pauses d'âge. Mais il est vachement beau ce phare, dis donc, ouais. La blagounette, il est vachement classe. Alors, par contre, les îles à côté sont comme qui dirait. Alors, excusez-moi, je cherche le terme. Je crois que le terme exact est a dead or lost. Ah, mais on a deux avions du coup. Ou c'était... Non, c'est toi, papa, qui est revenu avec ton extra 300 ? Nyon ! Bah alors, t'es passé trop près, mon camarade ! T'es passé trop près ! Nénupharisé. Ah ouais, non, mais complètement, hein. C'est cool, merci pour ce tuto, mais je t'en prie. On coupe le pilote auto, on va faire le petit virage. Alors, c'est dingue que les mecs se soient pas dit... bah tiens, c'est marrant, ça. On a fait une île, là, avec un phare, le phare à on. Elle est vachement belle, vachement jolie. Elle est perdue au milieu de nulle part. Il y a juste 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 îles à côté. Les 11 îles, on va les laisser particulièrement dégueulasses. Je vois les jambes de ta pilote traverser le sol de ton avion. Non. Non, c'est pas vrai. Ah, nous, on voit pas en tout cas. Ah putain, mais c'est. Je vous jure, les mecs sont quand même chelous, quoi. On va se faire un petit. On va se faire un petit virage des familles, vous allez voir. On va redescendre un petit peu. Et on va se faire une jolie photo du phare en étant basse altitude. Ouais, ici en tout cas. Avec coucher de soleil direction l'ouest, ça va être top. C'est pour la circulation du sang. Exactement, c'est pour éviter les jambes lourdes. Quand t'as les jambes qui sont trop chaudes, en fait, tu les mets dehors. Comme ça, t'as de l'air frais qui circule. Et hop, tu viens de... C'est pas le plus grand phare d'Europe. J'en ai aucune idée, Landscape. Bonjour à toi. J'en ai vraiment aucune idée. Si c'est le cas, je ne saurais absolument pas te répondre. Et pause. Tac. Caméra, vitrine, paf. L'endroit est quand même... c'est fou qu'ils aient modélisé de ouf une petite île comme ça et qu'ils aient laissé des trucs mais aussi dégueux que ça derrière, quoi. Immonde. Mais vraiment immonde.
Bon, on va laisser Papa Noël faire des tours. Hein. Il a l'air d'être lancé, à toute patate. Papa Noël, il fait des tours. Il est dans un manège. On va descendre un peu la cam, comme ça. On va avoir un super angle de vue, là. Ça va être génial. On réincline un peu le machin, comme ça. Là. Voilà. Et là, on a tout. On a tout dans la vue. Et même Papa Noël qui se crache violemment comme une vieille chaussette. J'attends ce jeu sur Xbox Series X. Putain, mais je sais pas, il est prévu pour... je me souviens plus, il est déjà sorti sur Xbox, c'est ça? Mais pas sur toutes, je me souviens pas. J'ai pas suivi, j'avoue, je suis pas très consoleux. Du coup, j'ai pas exactement suivi le délire des sorties consoles. On va mettre quelques nuages. Pareil, on va diminuer un petit peu... Oh, vous avez vu de nuit, du coup, le phare s'allume. Et tourne! Le phare s'allume et tourne! C'est ça qui est fou. C'est ça qui est génial. Attendez, on va le laisser comme ça, là, tac. Et hop, on prend la photo avec le phare. Ouais! Ça a de la gueule. Fin d'année, sortie prévue. Ça m'a... Putain, trop bien. Ça va... fin d'année, je viens de percuter. C'est long, en fait. J'allais dire trop bien, ça va arriver vite. Mais non, on est déjà en 2021, donc c'est loin, en fait. On va mettre de la... Oh là là, ça, c'est beau. Là, on va avoir une méga photo, vraiment une très très belle photo à faire, là. Il est où mon bouton? Il est là-bas. Avec Papa Noël qui fait ses aiguilles. J'attends juste que le phare se remette dans la bonne direction. Et dès que le phare sera dans la bonne direction... Clac! Et voilà. Ah merde, du coup, on a raté Papa. Bon, c'est pas grave. Franchement, ça a pas de la gueule, ça? C'est pas une vue qui déchire, ça? Hein? De vous à moi. De vous à moi, il a encore coupé le... Oh putain, il y a tellement de vent. Il y a tellement de vent, l'avion, il... J'avais oublié d'enlever le vent en ramenant le truc. Du coup, le truc, il m'a balayé, quoi. En mode... Ça dégage. T'es satisfait de la Match France? Franchement, ouais. Franchement, ouais, il y a vraiment... Eh ben, rip. Voilà, rip. Il y a vraiment des très 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 jolies choses qu'on a vues à partir de la... Depuis la, ça fait déjà deux semaines là, qu'on se balade un petit peu autour de la World Update 4. Et franchement, ouais, de très 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 jolies choses en France. En France et Benelux, hein, je pense à la France, mais ouais, belle mise à jour pour le coup. On a vraiment beaucoup de choses. Il faut une sacrée config pour le faire tourner. Ah bah, après, c'est vrai que... De base, il faut une config de gamer, point barre. Ça, là-dessus, vous ne le faites pas tourner sur n'importe quel PC. Moi, là, je tourne sur un i7-7500, avec... alors, j'ai 32Go de RAM, mais il n'utilise pas tout, hein, 16 suffisent largement, et j'ai une GTX 1080. J'ai même pas de RTX, ce qui m'empêche un peu d'aller taper dans le Ultra, dès qu'on part sur de la photogrammétrie, la carte graphique, elle pète un peu un plomb. Donc là, je suis en intermédiaire, et franchement, ça va. Mais voilà, c'est quand même une 1080, quoi. Où c'est-il qu'on va zou? Vous avez des... Alors, Rafa, tu m'avais parlé de quoi? Tu voulais retourner en Écosse, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Landscape aussi nous avait proposé. Honneur au nouveau, on va aller voir... voilà, alors, je sais pas si on avait dit Verdun, mais on va aller en tout cas en Lorraine. Est-ce que Verdun te va, Loulou? Qu'est-ce qu'on a... On va regarder un petit... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mes excuses, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû... Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai probablement dû cliquer sur... Avec le petit doigt au moment d'aller chercher mon truc, j'ai dû cliquer sur un mauvais bouton sur ma board. I am very sorry for that. Du coup, je suppose que vous aviez même pas le son de ce que je racontais. You're welcome, that was fun. Désolé tout le monde, pardon, pardon pour ce misclick de la mort. Very, very sorry.
T'as pas laissé un clavier Bluetooth avec les chats? Non, 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 en fait, c'est que, je vous explique, j'utilise Touch Portal, qui est une application, voilà, qui est une application qui me permet de gérer ça comme un Stream Deck. Donc j'en ai, typiquement, j'en ai deux. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas allumé la deuxième pour les chèvres et compagnie. Mais, et du coup, comme elle est juste à côté de mon clavier, bah, je pense que quand j'ai poussé la main pour aller faire un Alt-Tab, j'ai dû cliquer involontairement sur la scène Exit, et donc, voilà. C'est ça, en fait, c'est Rafa qui troll. Donc, on n'est pas exactement au-dessus de Verdun, du coup, vous avez raté mes manips. On est au-dessus d'un POI qui est pas très loin. On est au-dessus d'un POI qui est... je vais le réafficher vite fait. Bougez pas. Non, c'est pas commande, c'est assistance. Aide à la navigation, marqueur de POI. Hop, clac, clac, clac. On va rallumer le moteur au cas où, hein, parce qu'il va être relou. Voilà, on est au niveau d'un... Ah, pourquoi je l'ai pas? Merde, j'ai dû faire retour plutôt que... Excusez-moi, j'ai dû faire retour plutôt que appliquer. Et du coup, j'ai dû oublier... Voilà, marqueur de pays. Activé. Bah non, il est activé. Mais qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est que cette blague de... C'est mort. D'accord, on n'a pas le... On n'a pas le... On n'a pas le POI. Et l'autre, il a encore éteint mon moteur. Mais putain, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? Il a décidé... C'est vendredi, le jeu l'a décidé. C'est bon, bat les couilles. C'est l'ossuaire. Ouais, non, on n'est pas à Verdun. L'ossuaire de Duhamon, voilà. C'est le terme que je cherchais parce que je l'avais pas retenu. Et donc, nous y voilà. Et ben voilà. Duhamon, l'ossuaire. Décidément, le jeu a décidé de me troller aujourd'hui. Il coupe le moteur dès que je fais échappe. Non, vraiment bien. Je pense qu'on va passer un bon moment ce midi, les copains. Mais du coup, voilà, on est au niveau de la Lorraine. Trollilol. Le jeu, il est en mode trollo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 l. Donc voilà, on est là autour. C'est plutôt joli, en plus, le coin. On va ralentir un petit peu. On va sortir un peu les flaps histoire de pas se casser la gueule non plus. Et franchement, ça a de la gueule, hein. On va se rapprocher un petit peu. C'est vrai que j'ai pas mon avion favori, là. J'ai pas mon Savage Cub, histoire de voler vraiment basse vitesse as usual. Mais ouais, hein, il a de la gueule, le machin. Hein. C'est vachement beau, hein. Papa Noël, là, qui nous fait un petit passage bas rapide. Négative Ghost Rider, du monde dans la boucle. Et salut Laurent, comment vas-tu? Le link a foiré. Ah oui, le link a foiré au niveau de la virgule, là, visiblement. Fais gaffe, avec un lien comme ça, je vais te prendre pour un bot. Attention! Pourquoi je suis en train de me casser la gueule encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je vérifie que mes chèvres soient allumées, là. Ça marche. Il faut que je vérifie maintenant si le lien a bien est bien en fonctionnement ici aussi avec les points de chaîne. Voilà, ça marche. Ok. Au moins, j'avais oublié de le tester avant qu'on lance le live. Au moins, ça marche, les copains. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc du coup, voilà, nous voilà au-dessus de plus ou moins de la Lorraine, nos chers amis. Du coup, on est légèrement au nord-ouest de Verdun, donc si on se balade vers le sud-est, on devrait y arriver. Après, ça va être un petit peu loin, je suppose. Mais en tout cas, voilà, nous sommes clairement au niveau de notre belle Lorraine nationale. On va aller partir par là-bas, dans la direction... Oula, j'ai fait une manip un peu dégueulasse. Verdun, c'est pas en Lorraine? Je dis une connerie? Je suis nul en géographie, hein. Je vous l'ai déjà dit. Ah merde, putain, je me recasse la gueule encore. Tombe des soldats de la Seconde Guerre mondiale. La Meuse? D'accord. Bon bah, sorry. Et je vous l'ai dit, je suis une bille en géographie. Je connais même pas mes départements. Laissez-moi tranquille, quoi. Puis en plus, ça a rechangé. Mais pourquoi tu montes? J'arrête pas de te trimer vers le bas. Hé, hey, Gadjo, on va arrêter tes conneries, là. Le jeu a décidé de m'emmerder aujourd'hui. C'est la première. Oui, par contre, non, c'est la première.
J'ai pas resté longtemps, mais je tenais à passer. L'image est ultra moche sur le PC du taf. What? Comment c'est possible que l'image soit moche? Parce que vous avez pas de débit, les copains? J'ai remonté la Meuse l'été dernier à vélo. Oh putain, ça va être trop bien ça. Oh, ça a l'air. Eh, c'est beau là, regardez là-bas. En face, là, tous les champs et tout là, ça a de la gueule. Bon, du coup, prochaine destination. Ah non, c'est hyper beau ici. Pourquoi tu dis non? J'ai dit que c'était beau. Pourquoi tu me dis ah non, c'est hyper beau alors que c'est. J'ai pas compris, Rafa. Pourquoi tu dis non alors que c'était vachement beau et que c'est ce que j'avais dit avec le petit soleil? Ah, c'est hyper beau la connexion. Oui, oui, non, mais là, c'est la. Oui, oui. C'est du PC bureautique de base. Bah, après, normalement, ça n'a rien à voir avec ta configuration. Alors, à moins que ta carte graphique, mais même toutes les cartes graphiques, même embarquées, sont capables d'afficher du 720, hein, du 720p sans problème, quoi. C'est pour ça que je suis étonné. Donc, pour moi, si c'est à pixel ou des choses comme ça, c'est que c'est la connexion qui est dégueulasse au niveau boulot. C'est que t'as pas de quoi afficher le truc. Je pense, hein. Là, pour le coup. Pour moi, il n'y a pas grand chose de plus côté Twitch là-dessus. Hein. Oui, défi atterrissage, tout à fait, il y en a qui suivent, il est midi et demi, c'est l'heure du défi. Et après, on ira du coup, petit retour en Écosse, et ensuite on ira voir les coordonnées que Landscape nous a données. On va quand même se faire d'abord un petit truc comme ça, on va vite arriver en survitesse, et on va sûrement éclater les ailes. Non, ça va, j'y suis allé mollo, du coup on n'a pas tout éclaté. Alors... Défi d'atterrissage du jour, les copains. Je pense qu'on a quand même un petit peu fait le tour de partout. Un endroit sur Verdun, les éclats d'obus, t'as les trous partout. Ouais, ça, c'est vrai qu'on aurait peut-être dû... Le son est fort, excusez-moi. Je vais peut-être baisser un peu le son de la musique, là. Déjà parce que c'est pas forcément la musique la plus sympathique pour le live. Mais déjà parce que c'est fort, quoi. Dis donc, on va se détendre. Donc voilà, pour les nouveaux, c'est mieux, j'ai réussi à contourner les paramètres. Ah, bah voilà, quand même, merci, s'il vous plaît, merci Laurent. Ah. Je te donne trois noms de défis. De quoi tu parles sur le Discord. Oui, on peut faire les deux, on peut mettre en vote les deux qu'on n'a pas encore fait. Je vais aller voir ça vite fait sur Discord, dans les défis. Alors, on a encore deux défis que nous n'avons pas encore fait. Donc, le vote va être ouvert. Mouchou, es-tu là? Mouchou, es-tu là? Es-tu prêt à lancer défi célèbre premier sur 300? Oui, oui, on va aller checker ça. Es-tu prêt à lancer, du coup, le... Je vais pas y arriver. Bonjour. Bonjour, mon nom est Stéphane, pseudo Nemesis Hawk. J'essaie de me souvenir ce que je voulais dire. Ça vient pas. Le bug est total. Le vote, voilà. Prêt à lancer le vote. Donc, le vote. Le vote dans live. Vous allez avoir le choix entre Ashijojima au Japon. Et le deuxième, du coup, est dans Vent Violent. Alors, Nanwalek, on l'a fait hier. Ce sera donc Kerama. Donc, vous avez le choix entre le... merde, Vent Violent, on a dit, monsieur. Vent Violent... Et on a dit Kerama, bah, qui est au Japon aussi. Donc le choix entre Kerama et Ishijojima. Bon, tu mets entre Jima et Kerama, et on devrait y arriver. Voilà, le défi atterro est en cours in the chat. Vous n'hésitez pas à voter. Kerama en caravane, juste pour l'allitération. Ouais, mais je peux pas choisir le... Comment ça s'appelle? Coucou maman, une petite visite vite fait, pas beaucoup de temps, ça marche. Donc vous avez quelques minutes, il vous reste plus qu'une trentaine de secondes pour voter entre Ashijojima et Kerama. On est pour l'instant sur une égalité parfaite à 50-50. Ne me laissez pas à 50-50, hein, parce que je n'ai pas du tout envie de devoir décider par moi-même. Donc vous êtes gentils, hein, on évite les conneries. J'ai mis plus cher les votes. Ah, on revient un petit peu en démocratie. Alors sinon, c'est pas une démocratie, on appelle ça une oligarchie. C'est ça, quand c'est les riches, quand c'est les riches au pouvoir, non? Il y a que les riches en point de chaîne qui pourront voter plusieurs fois. C'est ça, non? C'est une... Tu as le choix en avion, DLC payant pour les avions. Alors, pour tout ce qui est avion, oui, il y a quand même un choix. Alors moi, il faut comprendre que je suis sur la version du Xbox Pass. Donc ça veut dire que je suis sur la version standard.
Et la version standard offre quand même une bonne palanquée d'avions. Et à chaque fois, tu vas avoir des avions supplémentaires en fonction de la version que tu achètes. Et ça a été un petit vote aujourd'hui, 3 versus 2 pour Ashiwo Jima. Du coup, on va aller voir ça. Donc, t'as quand même une bonne palanquée d'avions. Là, quand je disais tout à l'heure que je ne pouvais pas choisir mon avion, c'est pour les défis d'atterrissage uniquement. Les défis d'atterrissage sont liés à des avions strictement, mais derrière, je te montrerai sur la prochaine destination, on a quand même un panel d'avions qui est vraiment pas dégueulasse. Et derrière, sur ordi, alors je sais pas du tout comment ça se passera sur console, mais tu as la possibilité d'aller chercher des avions supplémentaires sur certains sites qui viennent modder les avions. Donc on a récupéré comme ça des Cubs, on a récupéré un hélicoptère, on a récupéré l'Alpha Jet, etc., de manière complètement gratuite. Ça fait partie par les mods qui sont faits par la communauté. Donc, situé à 300 km au sud de Tokyo, l'île volcanique d'Ashiwo Jima siège dans la mer des Philippines. L'aéroport régional de l'île, créé en 1926 par la marine impériale japonaise, est niché entre deux pics volcaniques, oh ça va être beau ça, et propose une approche standard aux pilotes pour les avions de ligne. Cependant, des vents traversiers modérés venant du sud peuvent rendre l'atterrissage d'un A320 Neo pourtant agile un peu plus compliqué. C'est parti, mon kiki. Nous sommes partis donc en A320 Neo. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas volé avec l'A320. Donc on va laisser on va arriver donc sur 170 nœuds. Réduction 160, 150. Runway 08, donc cap 80. Virage à gauche, on va avoir un vent de face au début et ensuite un vent de traviole venant de la droite sur la phase d'approche finale. On laisse bien l'île sur notre gauche, ok. Et du coup, effectivement, la piste d'atterrissage est entre les deux volcans. Très bien, on va essayer de se gérer ça tranquillement, pépouze. Petit café qui va bien. Longue piste, heureusement, on a quand même un A320 Neo. Alors, on va regarder un petit peu, on va laisser un petit peu... Oh là, il gigote déjà. C'est pas moi qui pilote, hein, pour l'instant, là, on est sur la vidéo d'introduction. Oh, le plan est beau. Waouh. Ça, c'est cool. Alors, dézoomons un petit peu. Donc, on a pu voir sur la vidéo d'introduction qu'on était déjà train d'atterrissage sorti. Je vais remettre un tout petit peu de gaz parce que j'avais déjà les gaz à zéro quand je suis arrivé. Donc, les flaps sont déjà... On est déjà full flaps, vous le voyez... attendez, je vais vous montrer. Hein, vous le voyez juste là, voilà. On est déjà full flaps. On est train d'atterrissage sorti, mais ça, je sais pas où c'est. J'avoue, je ne sais pas où sont les trains d'atterrissage sur ce truc-là. On va peut-être commencer notre virage, là. Il serait peut-être temps, parce que je discute, mais il serait peut-être temps de virer à un moment, en fait. On va entamer notre virage. C'est parti. Hop. Alors... L'avantage de la 320 Neo, normalement, c'est qu'il va avoir un atterrissage aux instruments. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez pouvoir voir et suivre à peu près ce que je fais. Vous l'avez sur l'écran. Ouais, vous l'avez légèrement sur l'écran. Mon overlay vous le cache un petit peu. Tac, voilà. Ici, vous avez ce qu'on appelle une barre. On a une barre verte ici et une barre verte ici. On appelle ça l'ILS, l'Instrument Landing System. Je parle sous le contrôle de Franck, qui est un vrai pilote IRL. Cet instrument nous permet de nous aligner en fait sur une pente idéale et sur un alignement idéal. Donc ce que je vais faire, vous voyez que là aujourd'hui mon point il est sur la ligne horizontale, il est pas dégueu. Par contre j'ai la ligne qui est à gauche qui est très très loin. Donc cela ça veut dire qu'il me dit que vas-y tourne à gauche mon garçon parce que tu es en train de te barrer de l'axe. Là d'ailleurs je vais arriver, mon virage était pas assez serré de base donc je vais me retrouver trop à droite. L'objectif va être d'aligner un petit peu tout ce joyeux bordel. Voilà, on va réaligner un petit peu tout ça là. On va regarder un peu plus haut. Voilà. Donc là, je suis pas du tout aligné comme il faut. C'est pas grave. On va se réaligner un petit peu. On a encore un peu de temps devant nous. Ça, on va le faire à la vue. On a un vent normalement qui devrait tranquillement nous pousser de la droite vers la gauche. Donc ça devrait nous aider un petit peu. Voilà, on va réduire encore un tout petit peu les gaz. Voilà, on est en train de s'aligner joyeusement, gentiment. Là, l'ILS me dit que je suis encore trop à droite sur le glide. Ce qui est étonnant, d'ailleurs. Je devrais être à peu près aligné, là. Je suis trop bas, par contre, sur le glide. Voilà,
on va le faire. Je suis trop à gauche là, j'ai l'impression, surtout moi. Alors, on est parti. On est parti joyeusement, gentiment. On réduit encore les gaz. On devrait pas tarder à arriver aux 140 nœuds. Voilà. Là, on est quoi? On est à 150 nœuds. On est beaucoup trop à gauche de la piste. On va remettre du gaz et du palonnier pour revenir dans l'axe. Ça, c'est le problème du vent de traviole. Voilà, on va réduire un peu les gaz. On va remettre du palonnier. Je suis peut-être allé un petit peu fort sur les gaz. Le vent va nous emmener un peu et nous refaire dresser un tout petit peu. On remet les ailes à plat. On remet un petit coup de palonnier à droite. On coupe les gaz tout doux. Dernier coup de palonnier avant de poser. Tac! Je pense que l'atterrissage a été un petit peu rude. On va freiner. On va mettre du coup les reverses. Je pense que j'ai été un petit peu hard sur l'atterrissage quand même. Frein serré. Reverse à fond. Je sais pas si on a sur la 320, mais s'il y en a, en tout cas, on y est. Défi terminé, 82 140 points. J'ignore si ce sera suffisant ou pas pour se classer. C'est loin d'être le pire de la semaine. C'est grave. C'est grave, grave, grave que c'est vraiment pas les... C'est vraiment pas... Putain, mais il va s'arrêter un jour, l'avion, ou je suis debout sur les freins, hein. Qu'on soit clair, je suis clairement debout sur les freins. Alors, le bouton reverse, je ne sais pas te dire lequel c'est. Moi, je l'ai calé, sur mon... Comment ça s'appelle ? Je l'ai calé sur mon joystick. Mais ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors, la douceur d'atterrissage n'était pas top top. Ça, c'est un truc. T'es sûr qu'il freine ? Ben, je sais pas. J'avais pourtant le doigt sur le frein. Je pense qu'il y a eu une coquille, justement, entre le reverse et machin. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, par contre j'ai un peu éclaté les freins, et ça, la vraie problématique, c'est parce que j'ai l'habitude de me poser avec des petits avions sur lesquels le cockpit est bah, du coup beaucoup plus proche de la... comment ça s'appelle, beaucoup plus proche de la piste, et sur la 320 ou le Jumbo, bah, on est beaucoup plus haut, et du coup bah, j'ai l'impression qu'il reste encore, de la distance avant que je puisse toucher, donc j'arrondis trop tard. Et en arrondissant trop tard, bah forcément, en fait, j'ai déjà touché et bah, j'explose le train d'atterrissage, très concrètement. Ce qui me permet quand même de me classer 55 millième mondial, enfin 56e plutôt, et parmi les amis, pourquoi je suis à zéro ? Mais ? Pourquoi il m'a mis zéro alors que là, il met 82 000 points ? Bon, bref, quoi qu'il en soit, Papa Noël m'avait éclaté de base. Mais honnêtement, c'est pas le pire de la semaine. On a fait les défis d'atterrissage cette semaine qui étaient quand même très 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 mauvais. Genre celui d'hier, par exemple, où on n'a pas réussi. Concrètement. Bon, du coup, Rafa, tu nous avais proposé de retourner en Écosse, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu as des coordonnées ? Est-ce que tu as un endroit ? Et derrière, on ira probablement voir les coordonnées de landscape. Fun fact, j'ai eu le même problème quand j'ai essayé de poser un cub à flotteur 1,5 mètre plus haut qu'un Cessna normal. Bah oui, mais ça change tout, hein. Au niveau de l'œil, par rapport aux habitudes qu'on a, clairement, ça change tout, hein. Où est-ce que tu vas aller, chouchou ? Tu nous avais dit l'Écosse ? Qu'est-ce qui te tente en termes de destination ? Southend Piers. Oh, ça a l'air pas mal, ça. Cambridge, bon là, on n'est pas en Écosse, hein, mais... Là, on a quoi ? Humber Bridge, on a encore un pont qui se balade dans le coin. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? York Minster. C'est quoi York Minster ? Tiens, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que c'est, York Minster ? On va aller regarder la carte. Qu'est-ce que c'est que le York Minster ? On est où, à peu près, environ On est... Tac, c'est ça, là ? York Minster. Ah, c'est une abbaye. Bon, bah, Rafa, je ne sais pas où tu es, mais nous y allons. Voilà, nous allons à York Minster. Définir comme point de départ. On va se reprendre notre petit cup des familles. Donc voilà, je te disais tout à l'heure, Choumi, du coup. Voilà les avions qui sont disponibles quand tu pars avec le pass standard. Ça, c'est en plus. C'est un mode gratuit. Ça y est de base. Le X-Club Float, c'est un mode. Tout ça, ça y est. Ça, c'est un mode. Ça y est. Ça, c'est un mode à la con de troll. Tout ça, ça y est aussi. Et qu'est-ce qu'il y avait en plus ? Celui-ci avec les grosses roues, c'est un mode en plus également. Donc, on va se prendre notre petit... Je prendrais bien un petit DR400. On le prend pas régulièrement. On va se le prendre, là, tac. Et c'est parti, mon kiki.
Vous n'êtes pas dans la même pièce. Non, moi, je suis dans mon bureau et Rafa, elle doit être dans le salon, slash, je sais pas où. Elle est dans le salon, là ? Ouais, dans le salon. Et donc du coup, voilà. Et on est. Donc je t'expliquais à Rafa que nous allions en Écosse, mais comme tu ne m'as pas donné de destination, eh bien en fait, j'ai choisi moi-même. Nous sommes donc sur une abbaye dont j'ai oublié le nom. Voilà. mais voilà, on y est en tout cas. J'ai des mails de boulot qui tombent. Je vérifie qu'il n'y ait pas de truc important. Je voulais juste un truc modélisé. Bah écoute, voilà, on va y être. Tac. Alors comment elle s'appelle ? York Minster, voilà. Donc, oh, c'est pas très... le coin, la ville est pas folle par contre au-delà de ça. Hein. Bon, il y a quand même une petite rivière qui passe au milieu, c'est cool, c'est sympa. On va aller voir la York Minster, puis après on va aller se balader un petit peu dans les alentours. Hein. Le devoir m'appelle, bonne journée à tout le monde et à bientôt. Bisous Laurent, des bisous. N'hésite pas éventuellement, si tu as le temps, à repasser ce soir. Je rappelle ce soir de 21h à 22h, Gartic Phone avec les réguliers. Et on enchaîne de 22h à 23h avec le fameux Blind Yaourt Test avec Rafa. Ça va être un vrai massacre, ça va être rigolo. Hop, on va se mettre du flaps. On va réduire tranquillement. Sympa, dis donc, la petite abbaye, là. Plutôt bien modélisée. Et c'est marrant, parce que les deux tours qui sont sur le côté, vraiment, on dirait, elles sont dans le même style que Notre-Dame. Là, la façade, limite, presque, on dirait la façade de Notre-Dame. C'est assez rigolo comme truc, je trouve. On va remettre du gaz avant de se cracher, lamentablement. D'ailleurs, il est où le chien ridicule de Belmando ? Hein ? Ah, Yorkshire. D'accord, je viens de comprendre. C'est l'Angleterre, York, c'est non Yorkshire. Ah, on est encore en Angleterre, on n'était pas en Écosse. Dame Ned, je pensais avoir passé la frontière, mais non. On va se cracher, on va se cracher, on va se cracher les copains, on va se casser la gueule. J'ai fait de la merde, je fais de la merde, avec mon petit DR400, on va reprendre les gaz. Voilà. J'ai fait un petit peu de la merde, hein, à regarder le chat et à regarder machin. Je pensais à Écosse. Oui, bah moi aussi, je pensais à Écosse, hein. Je vous l'ai dit, je suis une merde en géographie. Et il n'y a pas les frontières sur Flight Team. Donc voilà, pouette. Je fais ce que je peux. Donc, on va se prendre un axe un peu sympa. Et dès qu'on aura pris l'axe sympa, on se mettra en pause et on ira prendre notre photo traditionnelle. Genre, hop, et... Clac. Hop. Vue vitrine, pof. Et hop là. Voilà. Ça, on est pas mal là. On a une vue sympa sur York Minster. Par contre, on va l'enlever. Hein, l'étiquette de POI, on va la dégager. Hein, et la navigation. Hop. 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 Oui, je virais le POI, obviously. Brighton. Ah ouais, Brighton, ça peut être sympa, Brighton, tiens. Alors, maintenant qu'on s'est mis comme ça, on va se prendre une photo un peu sympatoche. On va se mettre des nuages, parce que comme vous l'avez compris, je ne supporte pas d'avoir un ciel tout vide comme ça. Je trouve ça un peu bof. Du coup, on va se mettre quelques nuages, voilà. Et on va se mettre une illumination. Oh ouais, regardez là. Là, on a directement l'illumination qui tombe, paf, pile sur l'abbaye. On va virer la souris, on va attendre que le menu en haut disparaisse. Et on va prendre la photo. Il est impressionnant ce jeu. Non mais au-delà de ça, il est même si on a tendance à vouloir râler sur le jeu, sur certaines choses, il reste néanmoins extrêmement impressionnant. Là-dessus, il n'y a vraiment pas à dire. Quand tu vois un petit peu la lumière dynamique dès que tu changes un peu la météo, c'est juste incroyable. Elle s'allume à un moment là. Ah regarde, tu vois, elle est légèrement illuminée. Pas trop. Ça a une certaine gueule. Hein. Moi je trouve que ça a une certaine gueule. On va la prendre quand même la photo parce que c'est joli. On n'a pas trop l'habitude d'avoir des trucs comme ça. Et limite, on va continuer à se survoler la zone bah, comme ça, parce que ça peut être sympa en vrai. Hop. Évidemment, dès qu'on enlève la pause, tout se casse la gueule. Voilà, on revient. J'espère qu'il m'a pas coupé le moteur, cet abruti. Ou Compton Bay. Ah d'accord. Ouais, Compton Bay. Bah, comme vous voulez.
Brighton ou Compton Bay, choisissez et dites-moi ça, et puis on y va, il nous reste 10 minutes. Je pense qu'on peut faire 5 minutes là-dessus, puis après derrière on finira sur les coordonnées de landscape. Oh, vous avez vu la lune derrière, comment elle est belle là? La petite lune cachée là? Ah ça, la gueule. On le fait pas souvent ça, les vols un petit peu vraiment de sombre quasiment presque de nuit. Ça a de la gueule aussi, hein. On va quand même essayer de faire monter un peu le robin là, parce que voilà. Donc Compton Bay, on tente ça? Compton Bay? Ah mais regardez-moi cette lune quoi, comment elle est belle là-bas. Oh, je trouve ça magnifique. Je suis désolé, je vais reprendre une photo. Je la trouve absolument incroyable, cette vue avec la lune là. Je la trouve folle. Et limite ce qu'on va faire, on va jouer un petit peu. Tac, on va la mettre, on va essayer, voilà, c'est exactement ce que je voulais faire, on va la mettre juste là. Photo. Hop. Après, je pense qu'on peut la mettre à un endroit un peu plus sympatoche, genre juste derrière, comme ça, là. Entre les roues. Ouais. Clac. Et hop là. Bonjour, en vendredi midi, j'ai donc décidé de faire un Happy God Scream de midi 56 pour la fin. Ah, merde. Get ready. Salut Toto, comment tu vas? On va réveiller les Anglais. Allez, réveillez pas trop. Hein. Bon, alors attendez, on va aller menu principal. On va aller se retrouver, du coup. On a dit Compton. Comment vous l'avez écrivé? Je parle même plus français. Compton Bay. Compton Bay. Hop, Royaume-Uni. Où est-ce qu'on est? D'accord, donc on est vraiment sur le sud-sud de l'Angleterre, au-dessus de Southampton, sur l'île de Wight. Et donc voilà, île ici. Donc on va se mettre par là. Laisse-moi tranquille. On va prendre nos coordonnées. On va les mettre dans le flight sim. Pouf, pouf, pouf. Tagada de soin, de soin. But. Qu'est-ce qu'on va se prendre comme avion sympatoche, vu l'endroit? Un petit Beechcraft? Oh non, un qu'on prend pas souvent non plus et que j'aime bien. On va se prendre celui-là. Tac! Un petit DA-62 rigolo, là. Je l'aime bien, celui-là. Conditions de vol en direct. Météo temps réel, on verra la gueule que ça a. Et puis si on doit changer, on changera. Hop là. Un bombardier. Mais j'ai pas de bombardier, Toto. Toto, il est vraiment en mode... Lance tout ce que tu peux lancer, c'est la guerre. Tu prends des bombardiers, tu prends des chasseurs, tu lances tous les missiles, les bombes, les machins, tu fais tout péter. Toto, il est en mode, à chaque fois qu'on joue à Flight Sim, il veut tout exploser, quoi. Et tu fais tout péter. Toto, il est malade. Je crois qu'il est pas très très bien, il a besoin d'être en week-end, Toto. Donc voilà la côte. Ah, elle est pas dégueu cette petite côte là. Ah, tant qu'à faire, on aurait dû aller à Douvres alors, parce qu'elles ont été refaites, toutes les falaises à Douvres ont été refaites. À la limite, on aurait dû aller là en fait. Il a besoin de se défouler. T'as un bombardier furtif, il me semble. Ah non, j'ai pas de bombardier. Enfin, oui, il en existe. Le B2 est un bombardier furtif. Le B2 Spirit, le F-117 aussi est un bombardier furtif. Tu peux considérer le Rafale aujourd'hui comme un bombardier plus ou moins furtif, puisqu'il est multi-role et qu'il est plus ou moins furtif. Mais dans Flight Sim, non, on n'a pas. C'est joli le petit coin là. Qu'est-ce qu'on en pense là? C'est plutôt cool là. On va peut-être se mettre, comme je disais, pour une fois que la météo est bonne sur... Mais rends-moi ma souris, saleté de machin. Pour une fois que la météo est bonne, dis donc, sur l'Angleterre, incroyable. Voilà, on va peupler un petit peu le ciel. Là, on est bien, là. On est en Angleterre, Landscape. On est juste au sud de Southampton. Là, tu vois, sur l'île de Wight, on est là. Enfin, pas Wight, Wight. Je pense que je le prononce très mal, puisque Wight devrait avoir un H quelque part. Alors, par contre, on a un petit peu de clippering. Hein. Ça apparaît au fur et à mesure. C'est pas terrible, ça, dans l'idée. Mais la vue est sympa. Là, clairement, la vue est chouette. Regardez-moi ça. On va se prendre une photo là. Tac. On va se mettre en mode. On va se mettre en mode vitrine là. Pof. Oh, on a une vue qui est sympa. On a même les reflets.
On va voir les reflets des nuages. Les reflets des nuages en plus, ça c'est chouette. Là, la photo est cool. Ça, et si on met un peu plus de couleurs dans le ciel, qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'on peut avoir? On a soit le soleil derrière, là. Ah. Oh, moi, ça, j'aime ça. Je suis désolé, hein, mais ça, c'est vraiment le genre de vue qui me fait vraiment rêver, quoi. Plus ou moins furtif. Le... Ah, Dassault a mis des panneaux composites, ça et là. Ah, ça y est, c'est parti, c'est l'appli God Scream. Dassault a mis des panneaux de composite ça et là pour limiter la signature radar, mais sans toucher la structure ou aux formes, donc ça reste un spot, un énorme spot sur un radar normal. Ah, c'est ça que j'avais dit, hein, plus ou moins radar. Bon, allez, c'est parti. Alors, pour les nouveaux qui connaissent pas le concept, parmi vos points de chaîne, vous avez quelque chose qui s'appelle le God Scream, qui vous permet de déclencher ce genre de choses-là. Et notamment toutes les chèvres qui sont partout sur ma caméra. Et donc, si vous avez suffisamment de points pour les déclencher une fois, comprenez que Mouchou, qui donc du coup est modératrice, pourra vous rembourser vos points. Et en vous remboursant vos points, elle vous rend donc l'illimité en termes de chèvres. Donc voilà, et elle aime bien faire ça de temps en... Ah, elle aime bien faire ça de temps en... La petite dernière pour le fun. Il y en a qui n'ont pas compris qu'il y avait un gros stop. Et donc du coup, voilà, c'était le happy... Allez, maman qui nous envoie une petite dernière sur la route, là. On a eu le go. Bah, je sais pas, le go, je sais pas si le go est arrivé. Mais bon. Moi, j'y suis allé à 56. Je sais pas. Donc voilà, donc pour ceux qui savaient pas, de temps en temps, voilà, il y a ce Happy Gold Scream lancé par Mouchou qui vous permet de balancer, les chèvres sans limitation à partir du moment où vous avez pu accumuler suffisamment de points de chaîne dès le départ. Donc voilà, c'est un peu, qu'on soit clair, hein, c'est la minute troll. Hein. Vous êtes trop au taquet. Ah, bravo. Bon, sur ces bonnes paroles, il est 58. Landscape, est-ce que tu pourrais me remettre les coordonnées que tu avais mis? On va finir sur les coordonnées du coup que nous avait fourni Landscape. Je vais voir si je peux les retrouver vite fait. Parce que là, du coup, avec toutes les chèvres qu'il y a de partout, mes points de chaîne sont full buggés en ce moment. Ah bah non, merde. Ah, Mouchou avait noté les coordonnées, ça c'est chouette. Hop. Par contre, j'ai oublié... Non, mais c'est bon, t'inquiète pas, Mouchou est incroyable. Elle note tout. Je suis sûr qu'elle a un fichier texte à côté où elle copie-colle tout. Elle est incroyable. Meilleure modératrice de France et de Navarre. Et du monde. Alors, cette zone est cool quand même. Hein. Elle est quand même vraiment, vraiment, vraiment cool, cette zone-là. On a un truc qui est vraiment chouette. Allez. Je ne fais pas que des God Scream. Modo de qualité. Il manque le petit monocle. C'est le petit monocle comme ça. Modo de qualité. Alors, on est parti pour le finish. J'espère que Landscape nous a trouvé des belles coordonnées. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est exactement? Nous sommes au-dessus de l'Amérique du Sud. On retourne un petit peu in the Caraïbes hein, quand même, hein. Destination que vous appréciez quand même beaucoup, 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 quand même. Hein. Vous aimez bien retourner dans ces destinations-là, les copains. Du coup, on va clairement se prendre le float. Une destination comme ça, forcément, on se prend l'hydravion. Météo en temps réel, par contre, on va pas se mettre en horaire réel, sinon, clairement, on va voyager de nuit, ce qui va être dommage. On va se mettre au petit matin. C'est parti, mon kiki. 13h tout pile, on va donc se finir sur cette destination. Franck, tu en as fait que 13. Ah, 13 Goat Scream, 13 Goat Scream de la part de Franck pendant cette minute Goat. Bon, bien, on va finir gentiment sur cette destination, puisque du coup, bah, il va falloir reprendre le taf. Obviously. Ah, il y a l'air d'y avoir des watermarks. Ah, ça fait plaisir, ça. Des watermarks de qualité. Ah, yes, ça va être chouette.
Ah ouais, Landscape, il nous régale à chaque fois. Hein. Franck essaie de gratter des points. J'ai raté le départ, j'étais en train de pérorer. Karma is a bitch, tout ça. Ah, là, on a des belles watermarks, ça va être cool, ça. Alors non, pas cette chanson-là, parce que du coup, cette chanson-là, elle va pas être adaptée pour ce moment sympatoche. Ça, c'est peut-être plus sympa, ça. Yep, Papa Noël qui est de passage. Franchement, ça a de la gueule. Moi, j'aime bien ce genre d'endroit, comme ça, là, avec le petit soleil derrière, là. Pop, pop, pop. Me dis pas qu'il vient encore de me couper mon moteur, cet abruti, là. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, mais non, quoi. Ah si, ce fils d'op m'avait encore coupé mon moteur. Je comprends pas ce jeu. Je sais pas ce qu'il me fait. Il m'avait arrêté de le faire pendant très longtemps. Et là, il recommence. Je sais pas pourquoi. Je suis plein gaz. Et j'ai le moteur qui se casse la gueule. Et mention spéciale pour deux gold scream de la part de VDS73, la petite maman. Essaie de prendre un peu de hauteur, je pense que ça peut être sympa. Bah ouais, mais l'avion se casse la gueule en fait. Je comprends pas ce qui se passe encore là. Putain de ta mère. Allez, gaz à fond, putain. Pourquoi l'engine veut pas y aller là? Merde. Qu'est-ce qu'il me fait ce jeu? Pourquoi il coupe tout là? Franchement, c'est chiant. Oh, c'est insupportable. Viens, je perds la vitesse. Je suis à 750, je perds de la vitesse, tout va bien. Je comprends pas ce qui se passe. Le moteur est coupé. Je comprends pas ce qui se passe. Ça me rend ouf. Juste, ça me rend ouf, quoi. Je ne sais pas pourquoi le jeu fait ça. Je comprends pas. Surtout que j'ai pas mis... Normalement, j'ai pas mis de défaillance. Ce qui fait que ça peut pas être une panne d'avion, en fait. Donc c'est vraiment le jeu qui décide que, bah tiens... On va te couper ton moteur. Bah écoute, ok, joyeusement, sympathiquement. Voilà, donc là, je suis gaz à fond. Et vous voyez, on voit bien que l'hélice, elle est en train de faire de la merde, là. On voit bien que l'hélice, elle tourne pas comme il faut, là. Et je ne sais pas pourquoi. Et c'est ça qui me rend fou, c'est que je ne sais pas pourquoi. Clac, il vient de me couper le truc. Vous l'avez vu ? Il vient de couper le... Putain, c'est l'arrivée d'essence qui coupe. Putain, il coupe l'arrivée d'essence, t'abruti. Automatiquement. On l'avait vu. On l'a vu direct, là. Clac, il coupe l'arrivée d'essence. On vient de trouver. On vient de trouver pourquoi le jeu me coupait le truc dans la gueule. Il me coupe l'arrivée d'essence, ce fils de copain, de coquin. Ah bah c'est sûr qu'on va vachement mieux voler maintenant. La vache. C'est du sabotage. Je pense que c'est du sabotage. Voilà. Maintenant on devrait s'en sortir. Un peu mieux en tout cas. Alors on va se mettre tranquillement en mode vitrine. Merde quoi. Je me disais au bout d'un moment... Ça me rendait fou cette histoire là. Alors, il est où Papa Noël? Bah merde, on l'a perdu. T'es où Papa? T'es parti? Qui a mis le sélecteur de réservoir sur le sélecteur de réservoir sur le max que gaz? Non, tu vois, ça se serait vu, quand même, ça se serait vu à un moment. Hop, petite photo. On va reprendre les commandes. Mais je vais, au-delà de ça, je vais vérifier s'il n'y a pas un truc qui appuie sur un bouton quand même, un truc à la con comme ça, mais... Si j'ai pas un raccourci qui traîne quelque part ou un truc du genre qui me vire un truc, ce serait quand même bizarre quoi. Attendez là. C'est bon là, on a bien le réservoir sur ce qu'il faut là. J'ai cru qu'il me l'avait recoupé encore. J'ai eu un petit doute des familles, hein, je vous cache pas. Bon bah voilà, là on est sur une vue. Comme qui dirait, une vue de qualitance. Ah bah voilà, il était là le Papa Noël. Je cherchais où il était. Hop là. On va se prendre une petite photo sympa là. Ah non, trop près. Écarte-toi un poquito, mon jeune ami. Et hop, photo. Bon, attention à ne pas être en retard pour le taf. Oui, je sais, t'inquiète pas, 13h05, il va falloir qu'on se remette sur le taf. Je vais vous mettre une jolie vue pour
Pour la fin... Ah, il y a des jolies couleurs, là, putain. Oh là là, paf, paf, voilà, on touche plus à rien. On reste sur cette vue-là. Les watermarks sont incroyables. Les watermarks sont juste incroyables. Je vous laisse cette vue comme ça. Comme d'hab, je coupe caméra et... Tu veux bien faire un mot à ton fils? Oui, maman, tu peux faire un mot pour que j'aille pas au travail cet après-midi? Ce serait bien. Le soleil fait toute la différence. Ouais, tu vois, vraiment, il y a une vraie, vraie différence. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on passe quelque part, j'essaye vraiment de toucher la météo, j'essaie de toucher l'éclairage en termes de soleil, etc. Il y a vraiment des très, très grosses différences par rapport à ce qu'on peut, faire. Je vous fais des bisous à tous, j'essaie d'être là ce soir. Super, maman, merci beaucoup. Donc, on se casse la gueule, là. On va mettre un petit peu de... Attendez, qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Oh putain, il nous a remis le sélecteur de... J'y crois pas. J'y crois pas. Fils de chacal. Bah non. Bah qu'est-ce que c'est que cette blague? On va mettre right alors, hein. Ça se trouve, peut-être qu'on a une... Peut-être que ce qui est à gauche est tout pourri, hein. C'est ce que vous voulez que je vous dise, moi. On va tout lui faire, à ce con aussi, là. Pourquoi je perds? C'est insane, je ne comprends pas. Mon moteur est en train de se casser la gueule. Pense à donner ton carnet de correspondance. Mais c'est complètement, hein. Au début, j'étais pas trop fan, mais là, je suis conquis. Ouais, on va recommencer, hein. On va recommencer vite fait, on va lancer, parce que là, bah, vous voyez, en bas à gauche, là, vous voyez que mon engine, il est mort, alors que j'ai mes gaz qui sont à fond, là. Je ne comprends pas, je comprends pas d'où ça sort. Donc, on va se faire un petit échappe des familles. On va faire redémarrer. On va se remettre sur les... Modescus, si défi d'atterro réussi. On l'a réussi tout à l'heure, le défi d'atterrissage. Bah, un conflit de touche, je sais même pas, parce que tu vois, il a même pas touché, pour le coup, cette fois-ci, il a pas touché au sélecteur de carburant. Mais je sais pas ce qu'il est en train de me faire, ce con de jeu, quoi. Je sais vraiment pas à quoi il joue, cet abruti, et ça me rend ouf. Je vous cache pas que ça me rend ouf, pour le coup. Donc on va repasser par là-bas, on va revoler là, comme ça, tac. On va se réaligner gentiment, joyeusement. On va vérifier du coup qu'il nous a bien remis le sélecteur et sur left. Ça, c'est bon. Ok. Press gate quoi? Press gate in machin, on s'en fout. Hop. Mais ouais, non, conflit de touche, il te l'indique en plus quand il y a bien réussi. Oh, tout de suite. Voilà, ah bah bravo. On se fait chier à vous trouver des jolies bonnes destinations, à vous faire des jolies photos et on se fait engueuler parce qu'on n'a pas bien réussi le défi d'atterrissage. Merci, hein, bravo. Hein. Merci pour le soutien. Et putain, le moteur se casse la gueule. J'en peux plus de ce jeu. Ça va me rendre fou, là. Rallume-moi ce putain de moteur. Contrôle E. Voilà. On y retourne, quoi, à un moment. Merde. Je comprends pas. Ça me saoule. Je comprends pourquoi ça merde. Je ne comprends pas pourquoi ça merde. Bref, moi, de toutes les façons, il va falloir que je retourne bosser. Viens ici, toi. Il va de toutes les façons falloir que je retourne bosser, les copains. Donc... première des choses, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi, obviously. Pour ceux que ça intéresse, demain, on va être... ce soir, pardon, d'abord. Ce soir, on va être sur du live Twitch. Voilà, tac. On va être sur du live Twitch à partir de 21h. De 21h à 22h, il y aura du Gartic Phone. De 22h à 23h... il y aura le fameux Blind Yaourt test. Et demain, il y aura le fameux versus streamer versus viewer avec Road Redemption. Je pense qu'il doit me rester encore quelques clés. Il y aura peut-être des clés à gagner directement pendant le live pour les prochains versus. N'hésitez pas à passer, je vous fais à tous de très très gros bisous, bon après-midi à tous, et enjoy les dernières minutes. Ciao ciao.
Alors mon mignon. Et salut le Bambi, merci pour le follow, tu arrives pile sur la fin du live, mais ne t'inquiète pas, on est en live sur les post-déj du lundi au vendredi de midi à 13h pour du Flight Sim, tu as bien fait de follow, sois alerté, enfin sois à l'écoute de tes alertes, on se retrouvera très 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 vite, bisous, ciao ciao. Oui, bon, bah, on a raté la fin. J'ai coupé le micro parce que c'était la merde et que du coup le moteur avait encore coupé. Donc du coup, voilà, on était censé finir sur une belle image, je voulais finir sur un atterrissage sympathique. Ça a fait de la merde. Voilà. Désolé. Je vous fais des bisous. Bon après-midi. Je vais essayer de résoudre ce putain de problème de moteur qui se coupe.